C'est Fusing Ghost, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de notre saison 2 sur Cube World. Et donc pour ce dernier épisode, on va être dans le biome jungle que j'ai déjà exploré et que d'ailleurs j'ai trouvé mon petit crocodile. Mon petit crocodile, hein, mais je sais très bien le dire, mais voilà, c'était une envie. Donc j'ai mon petit crocodile et je suis bel et bien dans le biome désert, vous pouvez voir ça. Donc c'est assez proche hein, du biome normal en quelque sorte. Peut-être pas très proche en fait. Mais je veux dire voilà, ça ressemble quand même pas mal. Mais après c'est pas du tout la même chose. Et puis voilà voilà. Donc j'ai pas de programme pour cet épisode. Je sais pas ce que je vais aller faire. Il y aura peut-être des quêtes pas loin. Pas loin, bof. Bon, on va quand même y aller parce que sinon je vous montrerai rien dans la vidéo et ça risque de pas être très amusant. Donc, le biome jungle, c'est absolument pas mon préféré, tout simplement parce qu'il y a trop d'arbres. Beaucoup trop d'arbres. Mais ça, c'est normal, hein, c'est de la jungle, je suis un peu d'accord. Mais bon, c'est pas du tout mon biome préféré. D'ailleurs, mon biome préféré, j'ai déjà dit ce que c'était. Il y a qu'à aller regarder mes autres épisodes. Par contre, là, je sais pas du tout si je vais dans le bon sens. Non, pas du tout. Je m'envole. Putain, n'empêche, je suis trop content d'avoir trouvé un crocodile. Non, mais... c'est vraiment un truc hyper rare. Et je sais pas, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que tu es ennemi? Frog. Non, tu n'étais pas ennemi, mais bon, pour moi, tu étais ennemi. Donc voilà, déjà le dernier épisode de la saison 2. Oui, c'est vrai que c'est... elle était pas très longue, mais bon, c'est vrai que mon perso était déjà beaucoup avancé. Et c'est pour ça que voilà, ça pouvait pas durer de nouveau 11 épisodes. Et j'en ai pas trop envie, de toute façon je vous ai déjà montré dans la saison 1 les trucs les plus importants en quelque sorte. Donc c'est vrai que j'allais pas faire durer une saison 2 aussi longtemps. En tout cas, je vous rassure, la saison 3 durera assez, enfin durera de nouveau un petit peu de temps hein, vu qu'il y aura dedans, ce sera la bêta de Cube World quoi. Et la saison 4 ce sera quand le jeu sera carrément au complet, enfin il sera jamais au complet parce que je pense qu'ils rajouteront toujours des trucs avec des mises à jour et des choses voilà comme ça, mais je veux dire voilà, c'est juste génial parce que oui, Cube World n'est pas prêt de s'enlever de ma chaîne, même si là il va faire une longue pause. De toute façon je compte acquérir un nouveau PC le plus rapidement possible, je sais pas quand d'ici la rentrée hein, à peu près. Je compte m'acheter tout simplement un PC de tueur à gages qui coûte à peu près 880 €. Mais c'est un PC assemblé en fait. Et il est juste monstrueux. Manque plus que à vendre le mien et à l'acheter. Mais bon, ça devrait aller assez vite vu que j'ai déjà reçu 3 SMS pour mon ordi. On s'en fout. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, il y aura probablement beaucoup plus de vidéos sur PC, probablement. Peut-être pas que hein, parce que voilà j'ai quand même mon Avermedia et tout, ma Xbox, mais bon, sachant que mon PC sera aussi puissant que la Xbox, même plus, je pense qu'il y aura beaucoup plus de vidéos sur PC. Enfin vous, ça changera rien hein. C'est juste que moi voilà, ce sera 3 fois mieux. Enfin moi je préfère les ordi, j'adore les ordi, c'est tellement mieux. Je suis tellement mieux en fait avec un clavier, une souris en main qu'avec une manette, même si une manette c'est très bien hein, je suis d'accord, mais je veux dire voilà. Donc après voilà, BFK, tout ça sur mon PC, parce que apparemment, avec la carte graphique qu'il y a sur mon ordi, je tiendrai Battlefield 3 en ultra. Donc Battlefield 4, je pense quasiment pareil. Ouais. Donc je pense que je tiens aussi en ultra. Ou même si je tiens pas en ultra, je tiendrai en very height. En very heat. Après, tous les autres jeux qui sortiront sur la next gen, genre voilà, tous les autres jeux quoi. Genre The Division, enfin bref, j'avais fait une vidéo des jeux de l'E3 qui m'ont plu. Après, je pense que Call of Duty Ghost, celui-là, je me l'achèterai plutôt sur Xbox. GTA 5, plutôt sur Xbox, parce que la version PC sortira beaucoup plus tard. Saints Row 4, bon, celui-là, je l'achète sur Xbox. Hein, parce que voilà. Enfin, quoique. Non, mais je crois pas qu'il sort sur PC, Saints Row 4. Enfin bref, en tout cas, j'achèterai sur Xbox. Mais bon voilà, ma Xbox je vais plus la garder trop longtemps parce que la next gen en fait, j'ai pas envie d'acheter une des consoles, tout simplement parce que
Il y a toujours en fait cette guerre des consoles et moi ça me brise l'anus. Les gens qui font ouais ça c'est mieux, ça c'est mieux. Bah moi je vous dis, je sors un PC et tout le monde ferme sa gueule. Voilà. C'est ça qui est classe en fait. Et je sais pas, PC, la commu est tellement meilleure. Je pourrais aller, ouais, enfin ce serait. Je préfère largement l'ordi et. Et donc bah voilà. De toute façon les vidéos seront automatiquement de meilleure qualité tout simplement. Parce que bah je ramerai moins. Donc j'aurai plus de FPS, donc ce sera beaucoup plus fluide et beau. Il y aura quoi encore? Bah les jeux sont plus beaux. What the fuck? Bref, j'en reviens à ce que je disais. Comme quoi, donc ouais, si je prends un PC, ce sera 3 fois mieux. Et déjà, je pourrais enfin, sur Minecraft, avoir le mode Sonic Hazer, parce que mon PC n'était pas assez puissant pour Sonic Hazer. Tout simplement parce que c'est un mode, en fait, qui demande énormément de puissance, hein, je peux vous le dire. Et je pourrais enfin le mettre, et donc mes vidéos seront avec ce mode magnifique que je kiffe ça. Juste, j'aimerais pas trop attirer de monde non plus, je préférerais direct avoir le boss. Yo, yo. Bien quoi. Le boss. Le boss. La blague. Eux ce sera eux ce seront sûrement les prochains persos que qui vont exister sur la. C'est totalement mauvais, arrêtez. J'ai très mal. Ouf ouf ouf. Ou en même temps il y en a 45 000 qui me tirent dessus. Yeah. Le type, enfin le mob là qui court tout vite, qui ressemble à une autruche. Oh comment il a la classe dans le désert. Aïe. Sérieux. Vous venez pas faire les malins. Bois. C'est bon, il y a mon crocro. Donc oui, donc sur PC il y aura de toute façon toutes mes vidéos de meilleure qualité, tout simplement parce que les jeux sont directement sur l'ordi. Hein. Et il y aura quoi encore? Ce sera plus facile pour moi de tourner, tout simplement parce que avec Fraps, ben tu fais un clic et c'est bon. Tu fais un clic et c'est réglé. Donc lui on a failli m'appeler. Si on me rappelle, je ferai une ellipse. Donc. Où j'en étais. J'ai encore quoi à dire sur les PC. Bah oui, déjà la communauté est meilleure, il y aura personne qui me cassera les bonbons. Bon après ça m'a jamais vraiment fait chier. Hein. Moi je trouvais ça tellement gamin en fait que je rigolais quand les gens ils disaient ça. Quand ils me disaient ouais la PS3 c'est mieux que la Xbox. Moi franchement j'en ai rien à battre. Rien à foutre. Moi je joue parce que j'ai envie de jouer. La console c'est la. Du coup bah, en fait il y avait tous mes potes qui sont allés dessus, bah j'ai pris celle-là. Hein. La PS3 ne m'intéressait pas spécialement parce que j'avais déjà la Play 2, donc je voulais un peu, on va dire, voir de nouvelles horizons, c'est un peu ça. Et maintenant j'ai envie d'aller sur PC tout simplement parce que c'est 1000 fois meilleur. Voilà. Et je pourrais vous faire enfin des vidéos sur Arma 3, Arma 2, Daisy. Oh là là. Oh fou fou. J'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte. J'ai pas encore le PC mais j'ai hâte. J'ai hâte. Hyper. Oh il est là. Passé où? Il est passé où le boss? Ah il est là. Ah oh non, oh non. Chaud. Bon si j'ai déjà et toi aussi tu me fais chier. Oui, par contre là ils sont plus costauds. Aïe. Mais putain mais le gnoll. Je sens le fail, je
je sais pas pourquoi je sens la faille. Je vais faire un truc tout pourri. Je vais me... trop de vie. Et c'est quoi le bug de mon téléphone qui s'éteint, qui se rallume du coup avant? Je vais s'interférer dans ma vidéo. Ah, en fait ça se trouve que je dors ma quelque part. What's possible? Ouais, je verrai ça après. Je verrai ça après, de la vie, après la vidéo de toute façon. Parce que moi là je suis dans mon combat de Big Boss. Non, j'ai fail ma big attack. Ce qui est chaud, c'est que il y a un boomerang. Le boomerang, c'est vachement puissant. Oh, j'appuie sur back, ça fait rien. Hein. Non. Quoi, plus 13. Oh non, c'est les potions pourrites. Oh. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça a fait des trous dans le sol. Ah, je savais pas. Regardez, on va l'obliger à s'approcher de nous comme d'hab. Et là, bim. Il est costaud celui-là. Il est costaud. Faut que je fasse gaffe, souvent les boss ils ont une attaque un peu cachée comme ça où ils nous sprintent sur la gueule. Et ils nous défoncent la bandelle. Ah, c'était celle-là. J'ai peur. Oh. Tant qu'il arrive, je vais avoir récupéré un peu de PV. Allez. Allez. Trompé de touche. Putain. Oh. Oh, ils font chier les boss sur ce jeu. Oh non, je vous jure, impossible tout seul en fait. Non mais tout seul, c'est genre la mort qui... c'est la mort assurée. Oh non. Ellipse. C'est bon, je suis hors là. Oui, on marcelle un peu sur Skype, Facebook, mon téléphone. Bientôt on va marceler en mail. Ça va être trop cool, je vous le dis. Bon, bah vu qu'on a fail. Oui, a fail this city. Bref, on va grimper ça. Ouais, ça me paraît cool ça. J'aime bien grimper. Surtout que maintenant j'ai quasiment illimité mon stamina. Bon après, faut pas non plus que j'abuse. Il faut même pas du tout que j'abuse.
Mais je grimpe tranquille, moi. Pff. We are the champions, my friend. Bref. Et voilà, en moins de 2, on était en haut. Si ça, c'est pas la classe avec un petit camp et tout. Oh. On va se refaire des trucs parce que là, j'ai plus de potions. Il va falloir que j'aille m'acheter tout ça au village, que je vais prendre des petites flasques. Comme ça, je vais pouvoir me faire des petites bottles. Voilà. D'ailleurs, je sais pas, j'en ai peut-être. Non. Quoi? Ah, j'ai des bouteilles, faut juste que j'aille dans l'eau, attendez. Oh, si j'aurais su ça, le boss, j'aurais fait simple. Le con. Oh. J'ai sauté trop tôt. Oups, alors c'est comme ça. Et voilà. Oh, ça va être long. Bon, c'est pas grave. Pensons, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Alors. J'ai vu qu'on m'a appelé, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais ils sont malades. Voilà ce qui arrive aux gens qui se foutent de ma gueule. Voilà, alors. Allez, vu qu'on est un gros kick, on me dit quoi? Bon, allez, là, les bottles de flasque d'eau. Il faut mettre le flasque. Pour le flasque. Bitch. Allez. Allez. Earth Flower. Putain, je peux me faire 30 Earth Flower. J'ai tellement pris de trucs dans la neige. Oui, parce qu'il faut des ice flowers. Et maintenant, ah, rebelote pour ça. Ah, trop cool, hein, la vie. Attendez, j'ai un peu m'approcher un petit peu plus de mon micro. Just au cas où. Parce que voilà, au cas où, hein, si on m'entend pas assez fort, ou on sait pas ce qui peut se passer, quoi. Je veux dire, il peut y avoir une maladie qui tombe du ciel. Qu'est-ce que je raconte? Je vais ouvrir ma fenêtre et je saute. Ouais. J'y vais. Bon, ça aurait été plus drôle en facecam. Bon, après, je sais pas qui aurait publié la vidéo, quoi, mais... Bref. J'aurais laissé un petit message sur mon crâne. J'aurais collé un post-it. Publier la vidéo sur YouTube, bitch. Alors. Bien entendu, tout ça est une blague. C'est absolument pas à prendre au sérieux. Merci, même si c'est pas drôle, les gens qui se suicident. C'est juste qu'ils sont trop faibles pour affronter la vie. Voilà. Alors moi, c'est mon avis après. Moi, je trouve ça un peu lâche de se suicider. Mais bon. Après, c'est clair que... Peut-être que si tu te fais harceler ou je sais pas si ça a des problèmes tous les jours, peut-être qu'après, c'est clair que t'en es à bout, quoi. Mais bon, hein, voilà. J'espère qu'aucun de vous n'a de problème. Sinon, bah... Pff, foutez-leur une bite dans l'anus et si vous êtes une meuf, ben mettez-lui un doigt de pied dans l'anus. Voilà, ça c'est bien. En fait, quand il y a des gens qui vous font la gueule, dites-vous que c'est eux qui en valent pas la peine, pas vous. Voilà, c'est ma logique. Moi quand quelqu'un se... Enfin, on me fait rarement la gueule en fait. Mais oui, je suis... Enfin, je... Bref, on va éviter de parler de ça. Oui, c'est vrai qu'on me fait jamais la gueule en fait. Ou quand on me fait la gueule, c'est 3 heures. Voilà. C'est la classe. Ah, tap, tap. Non, mais là, je reviens dans un monde normal. Moi, je veux pas aller dans le monde normal. Je veux rester dans ma petite jungle. Pour finir tout ça. Bon, là, je me balade un peu. Attendez, on va aller un peu voir ce qui se passe dans les grottes. Hop. Réapparaît. Je vais juste boire un coup. J'ai utilisé une potion pour ça. Je viens de capter. Non, j'ai utilisé une sans faire exprès. Là, ça devrait en fait, il devrait faire un patch le type pour qu'on puisse pas quand on est blindé, enfin, quand on a plus notre vie à fond, qu'on puisse pas prendre une potion. Vous voyez, ce serait vraiment avantageant parce que j'en perds pas mal. Apparemment ceux-là on peut les avoir. Ça m'intéresse
m'intéresse pas. J'en ai déjà tellement des animaux, attendez. Ah! Ouf. Moi j'ai déjà pas mal d'animaux. Ça me suffit. Mes potes d'animaux. Ah, j'aime bien grimper. On va ressauter. Ah, je suis en mode combo là, je peux faire ma super attaque. Ma super attaque c'est ça. Voilà. Non mais fallait pas appuyer Bastien. Oh là là. vilaine feuille. Enfin vilain arbre. Et bizarre cette montagne. Attendez, hop, on va remonter de ce côté. Ellipse. Pas ellipse. Là en fait faudrait que j'arrive à faire un screenshot genre comme ça. Et comme ça je le mettrai en miniature. Faut avouer que ça ferait stylé quoi. Mais bon, je ne sais pas comment on fait de screenshot sur Cube World. Je crois pas qu'on peut. Non, on peut pas. On ne peut pas. C'est pas grave. Oh, attendez, j'espère que c'est des ennemis ça. Oh pff. Ils m'ont fait foirer tout mon vol. C'est pas gentil. Bon j'aurais quand même trouvé un petit donjon. Petit donjon. Oh, tous ces arbres. Il est où mon crocro? Ah mais attendez, je crois les screenshots je peux les faire via. J'en suis plus sûr du tout même en fait. Je sais pas comment ça marche. Ouais, faudra que je voie pour. Ah mais non, mais la miniature maintenant je l'ai faite. Bon, elle est très laide, hein, je vous l'avoue. Je vous l'avoue, mais pour le moment je suis pas très doué. J'essaierai de prendre, d'apprendre un peu. Je regarderai des tutos pour les prochaines saisons ou les prochaines séries. Ou même pour les prochaines vidéos tout court. Attendez, on va être avec un crocro. Hop. Parce que là il y aurait plein d'endroits où je pourrais faire un petit scrunch. Un petit scrunch. Et genre je mettrais juste le Cube World Season 2. Et l'épisode. Voilà. Ça ferait une miniature cool quoi. Faudra que je voie un truc pour faire des screenshots sur Cube World. Genre comme ça j'en aurais fait un. Et j'aurais écrit Cube World. Juste où il y a le nuage entre les deux là, celui-là qui est tout le plus loin. Ça ferait trop magnifique. Enfin bref les gens, j'espère vraiment que cette saison très courte vous aura plu, que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis ciao, à la prochaine, bye.